Je te dis de pas regarder derrière. Je ne passe pas. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Oh my god, aujourd'hui c'est un autre jour, c'est un nouveau jour. Je vous souhaite d'être en bonne santé, dans la paix. Voilà, nous commençons cette nouvelle vidéo avec les courses que je suis allée faire le matin à Walmart. Et j'ai pris de l'okra, le gombo, j'ai pris du fromage, que vous voyez là, râpé. J'ai pris du lait, j'ai pris un coca parce que madame est une adepte du coca. Là, j'ai pris le bouillon de poulet, ce qui est là, en liquide. Ce sera nécessaire pour la recette d'aujourd'hui. J'ai pris de l'oignon nouveau. Voilà, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris, voilà, du bacon. C'est du bacon que j'ai pris, juste assez pour la recette. L'une des recettes que je vais réaliser. Et là, c'est du beurre. Vous savez, mon amour du beurre, quand je prépare, il m'en faut. Et là, il n'en restait pas beaucoup. J'ai pris une toute petite boîte de tomates parce que j'ai une grosse, une grande plutôt, je voulais dire, mais que je n'ai pas envie d'ouvrir. Je voulais faire ma recette pour aujourd'hui, une des recettes, mais que je n'ai pas, pas dans cette recette. Je ne vais pas la présenter ici. Ce sera une autre recette, donc, pour un autre jour. Et aussi, j'ai acheté ce truc pour poser les bouteilles de... les assaisonnements, pas les bouteilles, les assaisonnements, les pots d'assaisonnement que j'ai acheté sur un site. Et celui-là, le support, je l'ai acheté à Target. Donc, Target, c'était à $20, je crois. J'ai pris, ce sera préférable pour moi d'avoir sur le comptoir, si nécessaire. Je verrai comment ça va se présenter. Au besoin, je vais changer. Voilà. Donc là, j'ai commencé à décortiquer, à désosser le poulet. En fait, je voulais acheter du blanc de poulet. Et puis, je me suis rendu compte, j'ai du poulet au congélateur. Pourquoi acheter encore du poulet? Le poulet, c'est le poulet. Allons-y, désosser ce qui est là. Et on va se servir de la chair, surtout la chair des cuisses de poulet, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai désossé et je vais laver. Voilà, j'amène laver et je reviens déjà laver. J'ai fait passer ça au vinaigre pour enlever l'odeur. Rincer, bien rincer. Et là, c'est propre, prêt à être préparé. Je réserve, je bien nettoyer et tout. Enlever le gras et tout ça. Je vais réserver. Voilà, je réserve sur le côté. Et là, je vais, c'est une grosse poule d'oignon et je vais couper cette poule d'oignon en dés. Ce sera comme ça que je vais utiliser pour préparer la recette d'aujourd'hui. Donc, je vais couper en dés. Voilà, je coupe en dés et je vais réserver sur le côté et passer à l'étape suivante. Voilà, en même temps, je nettoie. Voilà, je vais réserver, je mets dans l'assiette et je mets de côté. Je passe à l'autre chose, c'est éplucher les pommes de terre. Mon fils était déjà occupé à éplucher les pommes de terre jaunes que je vais faire une autre recette. Et moi, pour cette recette, j'utilise ce genre de pommes de terre parce que ce sera pratique. Voilà, j'ai juste besoin de 2 pommes de terre selon la quantité du poulet que j'ai. Donc là, je vais couper aussi les pommes de terre. Voilà, je m'arrange à les couper. Pas trop, pas grosses, hein. Juste la taille nécessaire pour que la cuisson se passe rapidement. Pas trop petit, pas trop gros. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et 2 pommes, c'était vraiment assez. Et là, je passe à la carotte que mon fils a épluchée. Et là, je coupe la carotte aussi pour la taille désirée que je veux pour faciliter la cuisson. Et là, je m'attaque à l'ail. Moi, j'aime le goût de l'ail frais qui vient d'être écrasé. Je n'aime pas l'ail que tu as écrasé longtemps à l'avance. Franchement, pour des recettes,
J'aime bien le goût de l'ail frais qui vient d'être écrasé. Voilà. Et là, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur pour lui dire merci. Voilà. Et là, je suis en train d'écraser avec mon petit robot, là, mon petit hacheur, là, tranquillement. Cet appareil n'écrase pas l'ail comme si c'était en purée. Vraiment, c'est comme haché à la main. Hein. Ça fait le travail comme si tu l'avais fait à la main et j'aime ça. Voilà. Dans ma cuisine, j'en ai trois qui font vraiment le boulot que je... Donc, je disais qu'ils font vraiment le boulot que je désire. Vous voyez, là, c'est c'est ce que je voulais. L'ail haché, pas en purée. Et c'est vraiment parfait. Donc, je mets dans la petite assiette, je réserve. Donc, vous avez l'ail haché, vous avez le paprika, le cumin, le bouillon de poulet, tomates, que je vous montre au doigt là. Vous avez du curry, vous voyez. Donc, c'est ça seulement que je vais utiliser. Je n'ai pas besoin de plus d'ingrédients que ça pour la préparation. Là, c'est le bouillon de poulet. Je vous avais montré au début. Et là, c'est les pommes de terre et la carotte. Et là, c'est le poulet désossé et que j'ai coupé en petits morceaux avec l'assiette d'oignon. Et donc, l'étape suivante, vous voyez, je mets de l'huile au feu. Ça, c'est pour préparer un peu d'huile. Et là, je viens mettre un noyau de beurre. Ce beurre n'est pas salé, donc moi je l'aime comme ça. Un noyau de beurre, je mets dans la marmite, voilà. J'attends que le beurre fonde totalement afin de pouvoir ajouter mes ingrédients. Donc voilà, là je passe à l'oignon. Je ne mets pas tout l'oignon parce que c'était beaucoup. Voilà, j'ai utilisé peut-être les trois quarts. Et là, je tourne bien, je rajoute un peu d'huile parce que je me suis rendu compte que c'était un peu sec. Vous voyez, l'huile ne déborde pas, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, je tourne. Et là, je mets juste les épices, les autres épices que j'ai citées, sauf le curry. Je laisse le curry, ce sera pour plus tard. Voilà, et je tourne bien. Je tourne. Voilà, et là je mets nos légumes, carottes et pommes de terre, je mélange bien, je tourne, voilà, je rectifie le feu, voilà, je mets à feu moyen, je reviens je crois 5 minutes plus tard pour avancer dans la préparation, je tourne pour bien m'assurer que ça ne brûle pas. Voilà, et là je viens rajouter les os de poulet que j'avais enlevé quand j'ai désossé le poulet avec quelques peaux que j'ai nettoyées pour récupérer le gras et le goût qu'il y a dans les os de poulet à ma sauce. Donc je remets tout ça, j'avais déjà lavé au préalable dans le vinaigre aussi, toujours moi. Toujours moi. Voilà. Et donc là, je remue tout ça. J'ai remué. C'est ça. C'est vraiment pour récupérer le goût du poulet qu'il y a dans les os et dans la peau. Récupérer le gras surtout qu'il y a dans la peau du poulet. C'est vraiment bien pour cette recette. Donc, je mets tout ça. Et là, je viens mettre le bouillon de poulet. Chicken broth. Donc, je mets ça, je tourne bien, je mélange très bien. Vous voyez, je mélange bien, je récupère bien tout ce qui déborde sur le côté. Et je viens fermer notre marmite. Voilà, je la ferme et je vais laisser mijoter tranquillement. Et dans ma marmite favorite, oh mon Dieu, j'aime cette marmite. Elle est vraiment parfaite pour la cuisson des aliments, de nos plats. Tranquille, hein, parce que j'ai l'intention de faire du riz à l'ail avec de l'oignon. Donc, je mets au feu, je mets le peu d'oignon que j'avais laissé. Et là, je mets l'ail. Voilà,
Je tourne. Vous voyez, là, je fais un boulot de DJ. Je suis sur les platines, je fais le boulot de DJ. Je mixe ici, je mixe là. Voilà, c'est le moment où je mets le curry. Je mets le curry que je n'ai même pas le temps de bien mélanger parce que je dois passer à ma marmite du riz sur le côté. Là, je joue les DJ. Je joue vraiment les DJ. Il faut danser. Hein. Il faut vraiment danser. Je mets la sauce soja, soy sauce. Je mets et au besoin, ajouter encore un peu d'eau parce que j'avais mis la moitié d'un litre, de 900 millilitres de bouillon de poulet. Donc du coup, j'ai gardé le reste pour une autre recette. Et là, j'ai rajouté un peu d'eau. Tout ça, c'est parfait. Et là, je mets le riz sur l'autre marmite là-bas. Dans l'autre marmite, un peu de poivre aussi. Voilà, je tourne bien. Je mets un peu de, rosemary. C'est du romarin, voilà. Je mets du romarin et je tourne bien. Et là, je reviens, je couvre ma marmite de poulet au curry, tranquillement. Voilà, je mets un peu de sel. Pas un peu de sel, quantité nécessaire pour mon riz, selon la taille de mon riz. Donc là, je mélange bien pour que l'ail, l'oignon et l'huile, je fais sauter mon riz. Là, je suis en train de faire sauter mon riz à l'ail, bien, tranquillement. Je mélange tout ça. Là, top. Je reviens encore, je mélange parce que je m'assure que le riz soit bien, bien sauté. Je rajoute un peu de sel parce que j'avais l'impression que je n'avais pas mis assez de sel. Donc là, je tourne encore. Alors, c'est le moment de mettre de l'eau. Je mets de l'eau à la quantité que je souhaite pour mon riz. Moi, j'aime bien quand l'eau dépasse légèrement le niveau du riz. Et donc là, vous voyez, la DJ, elle est sur tous les plans. Je rectifie le feu ici. Je retourne là-bas, je rectifie le feu. DJ sur les platines. Ouf. Et là, l'eau a bien baissé. C'est le moment de couvrir mon riz. Donc, avant de couvrir, éventuellement, je vais tourner pour être sûr que ça ne colle pas. Et voilà. Je reviens checker l'autre marmite. Ok. Voilà. Là, c'est le moment de retirer les eaux. Ils ont déjà tous les sucres ont déjà été récupérés dans le jus. De ma sauce et là j'enlève tous les os qui ne sont pas nécessaires en ce moment. Je vais tous les retirer, voilà, avec les pots. J'enlève les pots, c'est pour la poubelle. Je recouvre, j'ai goûté le sel, c'était parfait. Et donc je recouvre ma marmite. Et je repars au riz qui a bien séché déjà. L'eau a bien diminué. Il faut que je couvre mon riz. Voilà. Je diminue le feu. Voilà, à fond. Moyen. Et je couvre mon riz. Voilà. Et là, ma sauce au curry était prête, mon riz aussi. C'était la dernière étape. Vraiment, c'était très, très bon. Mon fils, lui, il était à la maison avec moi et il avait faim. Mon mari était au boulot, donc éventuellement, je l'ai servi. Et j'ai servi mon mari aussi. Je suis allée déposer à son travail pour qu'il puisse manger. Et je suis revenue pour continuer à préparer. Et donc, c'est ici que s'achève notre vidéo. Je vous laisse regarder le reste. Je vous retrouve dans la prochaine. À très bientôt. Bye! En attendant la prochaine vidéo, comme je disais, please, take care. Up with you in the morning. Show me this happy.
I'm not afraid to.